cadre idéal parce que il fait beau déjà. Ensuite, c'est un beau paysage, c'est tranquille. C'est bien pour se reposer et pour faire une bonne préparation. À l'hôtel, il y a tout ce qui est soins, c'est-à-dire qu'il y a jacuzzi, sauna, il y a même des jets d'eau froide pour la récupération. C'est bien pour nous pour bien récupérer, c'est important. Après, l'hôtel, il est grand, les chambres sont confortables, les lits confortables. Ouais, c'est un bon hôtel. Les terrains sont pas très loin, ça nous permet de vite aller à l'entraînement, de s'échauffer en salle qui est dans l'hôtel, et après rester chaud pour aller s'entraîner sur le terrain. C'est d'être prêt pour le 26, c'est travailler encore sur le foncier. Même si on a effectué 4 semaines où on a beaucoup travaillé, soit physiquement ou tactiquement. Là voilà, on rentre dans la dernière semaine, on a un beau match qui nous attend vendredi. Et voilà, c'est de mettre en place tactiquement ce qu'on aura à produire cette saison et être prêt physiquement. Le groupe il est jeune, on le savait avant la reprise. On a la venue de renforts qui sont un peu plus expérimentés, un peu plus âgés. Et forcément, c'est bien pour encadrer un groupe jeune, il en faut tout le temps. Et petit à petit, voilà, on aura nos rôles à jouer, car même moi personnellement, j'ai de l'expérience, j'ai un peu de vécu dans le milieu. Donc forcément, même si je n'ai que 24 ans, j'ai ce rôle de leader aussi que j'aurai à jouer cette saison pour emmener le groupe le plus haut et au maximum de son potentiel. Le match il arrive au bon moment, à une semaine de la reprise du championnat. On sait que les matchs ils vont s'enchaîner et on connaît le niveau de la Ligue 2. Mais il faudra se mettre prêt, il faudra être prêt directement vendredi et se préparer du mieux possible pour faire une bonne performance vendredi, se mettre à la hauteur. Mais il n'y a pas de raison, on a bien travaillé jusque-là pour que vendredi prochain on se mette directement dans le bain. On essaie d'intégrer les nouveaux comme il se doit. Et de renforcer les liens entre nous tous, que ce soit les nouveaux ou les anciens, il faut qu'on renforce les liens. Il faut qu'on s'entende tous bien pour cette année, qu'on fasse le plus de victoires possible. Ah oui, comme d'habitude, comme chaque année, hein, chaque nouveau doit chanter un petit truc lors des repas en commun. Et ça c'est fait. Et là c'est pas terminé, il en reste un. Ah, le meilleur chanteur c'est Pop. Hein. Pop, j'avoue, il a chanté en anglais du Akon là, c'était pas mal du tout. Il a très très bien chanté en anglais en plus.